Alors, bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous bien. Heureux de vous retrouver en ce vendredi soir de confinement. Un des derniers, on l'espère. Mais même quand ce sera fini, ce confinement-là, hein, confinement global, total, et qui deviendra partiel, ce sera juste le début des vrais problèmes. Donc, préparez-vous. Profitez de ce qui nous reste comme calme avant la grosse tempête. 8 mai 2020, 21h, 1h du Québec, je vais vous partager une nouvelle qui m'a été un lien qui m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. Et c'est le suivant, une concentration record de microplastique mesurée dans les fonds marins. Une étude menée par des 99% du plastique présent dans les océans se trouve en eau profonde. Donc ça, c'est très inquiétant, déjà. Une étude menée par des chercheurs européens montre que l'écrasante majorité du plastique qui pollue les mers et océans du globe ne se trouve pas en surface. Des niveaux alarmants de microparticules ont notamment été relevés dans certains fonds marins. Et le tristement célèbre continent de plastique qui flotte dans l'océan Pacifique ne serait donc que la minuscule partie émergée de l'iceberg. Ces dernières années, la pollution massive des mers et océans du globe par le plastique issu des déchets humains a largement été médiatisée. Mais selon une étude menée par 7 chercheurs européens, l'ampleur des dégâts est encore plus inquiétante que prévu. En tentant de comprendre comment les différents courants marins déciment les déchets plastiques dans les eaux du globe, les auteurs de cette étude ont en effet constaté que les accumulations observables en surface représentent seulement 1% de la quantité totale de plastique marin. Les 99% restants, principalement constitués de microplastiques, sont emportés en eau profonde par différents mécanismes de courant qu'ont cherché à analyser les 7 chercheurs européens. Notre étude montre comment des études détaillées des courants de fond peuvent nous aider à relier les voies de transport des microplastiques dans les eaux profondes et à trouver les microplastiques manquants, explique le Dr. Mike Clare du Centre océanographique national du Royaume-Uni dans un article publié sur Science Daily. Les résultats de ces modélisations montrent qu'une grande partie de ces déchets finissent par se déposer sur le plancher océanique. C'est regrettable, mais le plastique est devenu un nouveau type de particules sédimentaires qui se répartit sur les fonds marins avec le sable, la boue et les nutriments, affirme le docteur Florian Pau de l'Université de Durham. Ainsi, les processus de transport des sédiments, tels que les courants thermohalins, courants des fonds marins, apparemment, là, c'est comme ça que ça s'appelle, vont concentrer les particules de plastique à certains endroits du fond marin, comme le montrent nos recherches. Dans les profondeurs des océans, il existe donc des zones encore plus polluées qu'à la surface. Tout le monde ou presque a entendu parler des tristement célèbres plaques de déchets flottant dans l'océan, mais nous avons été choqués par les fortes concentrations de microplastiques que nous avons trouvées dans les fonds marins, témoigne le docteur Ian Kane de l'Université de Manchester. Les chercheurs ont ainsi identifié des points chauds créés par les courants thermohalins, où la concentration en microplastiques monte jusqu'à 1,9 million de particules par mètre carré. Or, comme le souligne l'étude, ces courants sont connus pour fournir de l'oxygène et des nutriments au benthos, l'ensemble des organismes aquatiques, des eaux profondes, ce qui suggère que les points chauds de la biodiversité des eaux profondes sont également susceptibles d'être des points chauds des microplastiques. Alors que 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans l'océan chaque année, il est urgent d'agir à l'échelle nationale et internationale, surtout, pardon. Les résultats de notre étude soulignent la nécessité d'interventions politiques pour limiter le flux futur de plastique dans les environnements naturels et minimiser les impacts sur les écosystèmes, insiste le docteur Mike Clare. Vraiment inquiétant. Puis il n'y a pas un gouvernement qui a le courage d'agir parce que on sait qui est à la source de la pollution. Hein? C'est les producteurs, c'est les usines, c'est le complexe industriel. Et c'est ce qui fait tourner l'économie. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on doit changer cette économie-là au plus sacrant. Au plus sacrant. Donc, c'est une nouvelle du 7 mai 2020. Donc, c'est d'hier. C'est vraiment récent. Merci. Je pense que c'est Jean-François qui m'a envoyé ça. Merci à Jean-François.